Pour les gens qui sont à distance, confirmez-nous bien que vous avez le son et l'image. Cet après-midi, on va avoir deux sessions de présentation chacune. Dans la première session, on a essayé de faire quelque chose d'un peu thématique en regroupant les outils, enfin les logiciels qui avaient un aspect visualisation des données d'État. Et on va commencer du coup par la présentation de Cloud Compare par son principal développeur et créateur. Daniel, qui nous a fait l'honneur de venir de Grenoble, si je ne me trompe pas. Donc, merci beaucoup. Merci, bonjour. Oui, je m'appelle Daniel Girardeau-Monteau, je suis le créateur et principal administrateur de Cloud Compare, du projet Cloud Compare en fait. Aujourd'hui, je vais surtout vous présenter le logiciel, j'imagine que tout le monde ne le connaît pas, assez haut niveau, l'historique aussi d'abord, et après quelques outils principalement orientés pour le traitement des données LIDAR. Le projet a démarré en 2003. J'ai fait ma thèse pour EDF-R&D, la composante Wave. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent EDF. Ce n'est pas le cas à l'international. EDF, c'est beaucoup de gens. Ils ont une grosse division R&D. À l'époque, il y avait à peu près 2000 personnes. Et au sein de ces divisions R&D, il y a des gens qui s'intéressaient au traitement des données 3D. Très tôt finalement, parce qu'en 2003, c'était le jeu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui utilisaient des scanners laser notamment. Donc j'ai eu la chance de faire un stage dans cette équipe et après une thèse avec eux. C'est assez évident pourquoi ça les intéresse, principalement pour tous leurs barrages et leurs réacteurs nucléaires. D'ailleurs, ils possédaient MENSI, qui est maintenant Trimble Laser Scanning. Enfin, ils possédaient une partie de MENSI. Ils avaient investi massivement dans MENSI, les tout premiers scanners laser. Et ils les utilisaient principalement pour scanner l'intérieur des bâtiments réacteurs, parce qu'ils ont des normes. L'ASN leur imposait une cartographie, ouais, une modélisation très précise des bâtiments réacteurs. Déjà en 2002, ils passaient leur journée, des topographes passaient leur journée à scanner l'intégralité d'un bâtiment réacteur pendant les phases de maintenance. Et après, il y avait des gens qui modélisaient ça en 3D. Donc, pour accélérer cette modélisation, ils avaient eu ce besoin de comparer un nouveau scan par rapport à un ancien modèle, détecter ce qui avait changé pour se concentrer sur ces zones-là. À l'époque, 50 millions de points, c'était énorme. Et aujourd'hui, ils en sont, ouais, aujourd'hui, il y a presque 10 ans, ils en étaient plutôt à 50 milliards de points. Ils n'utilisent plus Cloud Compare pour ça. En plus de ces activités, ils se servent énormément de scan laser pour les bâtiments extérieurs, le monitoring, pardon, la surveillance des. Pardon, des. Landslides, glissement de terrain, merci. Des activités en hydrologie, simulation, et étonnamment, historical preservation, tout ce qui était archéologie, notamment via la fondation EDF. Ce qui m'a permis de jouer pas mal avec pas mal de données 3D différentes pendant ma thèse. La thèse en particulier, initialement, c'était sur la détection de changements 3D. Non pas pour de la documentation telle que construite, comme je vous ai montré, même si c'était en pratique la vraie utilisation des algorithmes, mais on s'intéressait au que faire en cas de catastrophe rapidement. Et c'était juste après les attaques du 11 novembre à New York. C'est Optech, je crois, qui avait fait ça. Ils avaient scanné à la fois avec de l'aéroporté et du terrestre le Ground Zero. Ils avaient fait des comparaisons pour essayer de voir comment les choses évoluaient. Et tout ça. Ça venait vraiment de cette idée de comment rapidement, après une catastrophe, faire un scan, faire le différentiel avec les données qu'on avait avant et détecter qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change aussi en temps réel, si un bâtiment peut s'effondrer, quelque chose comme ça. C'est dans ce contexte-là que Cloud Compare est né.
Donc c'était vraiment la deuxième année de ma thèse où j'ai commencé à développer Cloud Compare. Et c'était vraiment uniquement, du coup, pour comparer des nuages acquis avec un scanner terrestre, soit deux nuages directement, donc c'est un peu ce qu'on voit à droite, pour voir ce qui bouge, ce qui change assez rapidement, soit, comme j'ai dit, l'application plus pragmatique, comparer un scan à un modèle CRO. Et du coup, à la fin de ma thèse, avec les autres projets que je vous ai montrés avant, en archéologie et tout, Cloud Compare était déjà devenu un outil un peu plutôt suisse, avec pas mal d'applications, à la fois en termes de traitement et de visualisation. Mais ça restait un outil interne à EDF. En 2007, à la fin de ma thèse, j'avais déjà pas mal d'utilisateurs, mais uniquement à interne à EDF. Et EDF n'avait pas de vocation à en faire un logiciel commercial ou à le distribuer, puisque c'était développé pour leurs propres besoins. Ils s'en servaient carrément. Ça les aidait beaucoup. Et puis, ce n'est pas une entreprise qui fait du logiciel. Ensuite, à la fin de ma thèse, j'ai continué un peu à travailler sur l'industrialisation de Cloud Compare pour le rendre un peu plus robuste et un peu plus user-friendly. Mais au bout d'un moment, j'ai voulu partir d'EDF, aller voir ailleurs. Et on a trouvé cette idée avec mes anciens responsables de thèse de rendre Cloud Compare open source pour que moi, je puisse continuer à développer dessus et que eux, finalement, en l'ouvrant à la communauté, gagner potentiellement une maintenance gratuite, entre guillemets, du logiciel. Ça faisait vivre le logiciel et puis aussi, ils étaient personnellement, certains étaient convaincus de l'intérêt de l'open source. Donc, ça a pris un peu de temps pour convaincre leur chef. Mais en 2009, je crois, ça a été officiel. On a eu le droit de mettre les sources en ligne. Et du coup, c'est la version 2.1 de Cloud Compare. On est toujours à 2. Aujourd'hui, on est à 2.13. 2 veut juste dire après EDF, la version libre. Et sinon, ça tourne sur Windows, Linux et un peu macOS. Petit problème de maintenance, parce que du coup, je suis principalement tout seul à gérer le projet et sur mon temps libre. J'ai une autre vie à côté de Compare qui n'a rien à voir avec même la géomatique ou les données 3D. Et je suis aidé en général par 2-3 contributeurs qui passent et qui vont et qui viennent. Actuellement, c'est une équipe très française, tant mieux. Enfin, tant mieux. Les choses sont faciles, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des Américains, des Canadiens, enfin des gens un peu de partout. Actuellement, mes principaux supports sont Romain Janvier et Thomas Montaigu, qui m'aident beaucoup, notamment à maintenir la version Linux. On a aussi Paul Rascle qui est un retraité d'EDF, donc c'est encore le lien qu'EDF a avec Cloud Compare, hein, c'est par hasard, qui gère Cloud Compi, donc le portage, la partie Python, d'interfaçage Python, et macOS, voilà, on n'a plus de contributeurs qui gèrent la version macOS. Ceci est un appel officiel. Alors, open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel peut évoluer très vite. En fonction des besoins des utilisateurs. Ça va beaucoup plus vite si les utilisateurs développent eux-mêmes les nouvelles fonctions. Il n'y a pas de service, il n'y a pas une entreprise derrière qui va regarder la liste des besoins et là, on va vendre un max de licences si on fait ça. Non, absolument pas ça. Donc, ça repose vraiment sur les contributeurs. Moi, mon rôle, c'est avant tout de superviser, de vérifier qu'on maintient une certaine cohérence, d'efficacité, de communiquer un minimum comme aujourd'hui. Après, les intérêts assez évidents, c'est qu'on est indépendant de tout constructeur. Certains nous aident, comme Riegel par exemple, mais de leur propre volonté, ils ne nous donnent pas d'argent. Personne ne nous donne de l'argent. Et par contre, voilà, on est heureusement supporté directement ou indirectement par soit des petites entreprises, plutôt anglo-saxonnes en général, soit des grosses institutions publiques, comme notamment en France. EDF, BRGM et quelques labos du CNRS. Et du coup, oui, c'est gratuit, open source, mais normalement, c'est libre en anglais, pas gratuit. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui doit payer pour le travail fait. Là encore, personne ne nous paye, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, gratuitement pour faire ce que vous voulez, mais nous, ce qu'on cherche le plus, c'est des contributeurs et des contributions. Oui, pardon. Et on a un système de plugins. Vous allez voir que c'est vraiment par là que Cloud Compare se développe. Et c'est très facile de développer un plugin. Vous pouvez
créer votre plugin et EDF, qui est quand même le propriétaire de la propriété intellectuelle d'une bonne partie, dès le début a dit les plugins, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les garder closed source, enfin, vous n'êtes pas obligé de les rendre publics, vous pouvez même les vendre si vous voulez. Leur but était que les gens puissent développer leurs propres fonctions sans barrière, sans se dire, oh mon Dieu, c'est closed source. Des utilisateurs, on en a, je dis trop, on a vraiment beaucoup d'utilisateurs. On ne les connaît pas bien, d'ailleurs, parce qu'on ne trace pas les utilisateurs, c'est uniquement les gens qui viennent nous parler. Donc beaucoup du monde académique, bien sûr. Remote sensing, géologie, archéologie. Un peu de... Pardon, je parle beaucoup en anglais. De topographes, police scientifique, architectes. Des artistes. Et malheureusement, la plupart de ces communautés ne nous. Enfin, ce ne sont pas des gens qui développent beaucoup, à part en géosciences, en remote sensing, en télédétection, et ce qu'on pourrait espérer, mais visiblement non. Donc, il n'y a vraiment que quelques trop rares contributeurs qui codent vraiment dans le plateau. Aussi, avec ces contraintes-là, qu'on est une toute petite équipe, du coup, on s'occupe, alors, les spécifications, ça c'est un logiciel idéal, il aurait ce process-là. Alors nous, les specs, c'est en général juste des gens qui envoient un mail, j'aimerais bien telle fonction. C'est très succinct. Qu'on aime, ce que j'aime moi, c'est développer les algorithmes. On essaye de rendre la chose très accessible, donc on fait quand même un peu un effort sur l'interface graphique. Ça, on le fait. Mais alors, par contre, tout ce qui est test, on n'a pas le temps. On n'a pas de processus de test validé avec une grosse équipe de tests. Et donc, on transfère ça à l'utilisateur. C'est un peu le deal. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est que quand vous testez quelque chose, si ça ne marche pas, il faut nous le dire. C'est comme ça qu'on améliore le logiciel. En plus, c'est gratuit. Alors, c'est le seul truc qu'on vous demande, c'est de nous donner du feedback. Et donc, en général, s'il y a un outil très nouveau, vous pouvez vous méfier, mais au bout de quelques versions, vous pouvez vous dire que... Il y a assez de gens qui ont fourni du feedback. J'essaye d'être très réactif sur la correction des bugs. Et ça, j'ai récupéré ça hier soir. Et vu que je ne sais pas compter, ce n'est pas 6 mois, c'est 5 mois. C'est une espèce de vue des utilisateurs, des gens qui se connectent sur le site et du nombre de téléchargements. Ça a toujours été assez polarisé, mais clairement, vous voyez que la France n'est pas l'épicentre des utilisateurs. Il y a 10 ans, c'était plus côté Amérique du Nord. Et maintenant, on voit vraiment un shift côté Asie. Il y a vraiment une grosse utilisation côté asiatique. Et voilà, en utilisateurs. Donc ça, c'est les visiteurs du site web, de près 150 000 en 5 mois. Et les téléchargements effectifs de la version Windows, c'est 108 000. C'est les seules infos qu'on a. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. Si chaque personne me donnait 10 centimes à chaque fois qu'il téléchargeait. mais voilà, c'est tout ce que je sais sur les utilisateurs, à part les gens qui viennent m'en parler. Donc, n'hésitez pas. Et après, voilà, on a à peu près 5 000 utilisateurs qui sont abonnés à la newsletter. Donc, c'est des utilisateurs qui sont intéressés par les nouvelles fonctions. Donc, on a quand même une belle communauté. Oui, ça, c'était un exercice que j'ai fait il y a quelques années, de regarder les citations dans les articles scientifiques. Donc, on voit aussi clairement que depuis la mise, le temps que les gens repèrent le compère, il y a quand même une utilisation de plus en plus étendue et variée de le compère, en tout cas par la communauté recherche. Donc, très rapidement, l'interface est assez classique pour un logiciel 3D. Hein. Vous avez la vue, enfin, une ou plusieurs vues 3D au centre où vous pouvez charger vos entités. Une base de données, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez gérer sur les entités. Il y a quand même pas mal d'options pour afficher notamment les nuages, parce que c'est Cloud Compare, c'est pas Mesh Lab, c'est vraiment Cloud Compare. On est vraiment centré sur les nuages. On lit et sauve pas mal de formats différents, notamment bien sûr des nuages de points, principalement des formats ouverts. Bien sûr, et quelques formats propriétaires pour les entreprises qui ont soit accepté de nous fournir leur SDK, soit qui ont activement participé pour le rendre accessible. Vu qu'on peut comparer des nuages à des maillages, on gère aussi bien sûr des formats de maillage, de plus en plus des rasters, des choses un peu plus exotiques. Niveau capacité d'affichage,
Bizarrement, ce n'est pas le point fort de Cloud Compare, même si beaucoup de gens l'utilisent pour ça. On a une utilisation très basique de la carte graphique. On n'utilise pas la carte graphique pour les calculs, vraiment juste pour l'affichage. On balance les points dedans. Du coup, tout va dépendre de votre carte graphique. Vous allez sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas de carte graphique, enfin, les chipsets intégrés, il ne faut pas espérer pouvoir travailler avec beaucoup de points. Avec des très bonnes cartes, vous pouvez, de manière interactive, avoir plusieurs centaines de millions de points. Et au-delà, on a un mode en ligne de commande qui est clairement recommandé quand vous avez des très gros nuages. Et j'en reparlerai. On a toujours ce rêve depuis quelques années d'avoir du support out of core. Ça a déjà été introduit dans les présentations précédentes. C'est pas tout chargé en mémoire et avoir des approches un peu plus intelligentes, au moins pour l'affichage. Ça, c'est pas encore. Quelque chose de central dans Cloud Compare, c'est l'affichage des champs scalaires. Ça a toujours été à la base, soit pour afficher des distances, une intensité du scanner laser, de la densité, de la roughness, ce genre-là, confiance, courbure, n'importe quoi. Vous avez beaucoup de moyens de calculer ces grandeurs dans Cloud Compare et bien sûr aussi de les afficher, de définir des fausses couleurs de différentes manières. Vous pouvez gérer une infinité de champs scalaires associés à un même nuage de points. Vous pouvez les mixer, faire des calculs entre les champs scalaires d'un même nuage de points ou même entre les champs scalaires de différents nuages de points, calculer des statistiques. C'est vraiment le cœur de Cloud Compare à la base. On a des outils de base qui sont transformés manuellement ou avec des données, des informations de translation et de rotation précises, gérer les couleurs, les normales. On a quelques fonctions pour mailler un nuage de points, mais là encore, ça reste assez basique. C'est pas le cœur de métier de Cloud Compare, on va dire. Beaucoup d'opérations sur les champs scalaires. Vous pouvez faire des mesures aussi point à point, je veux dire, interactivement. Quelque chose qui est très utilisé, c'est sous-échantillonner un nuage. En général, les nuages sont trop gros pour beaucoup d'applications. Fusionner des nuages, changer leur échelle. Une grosse application, c'est le recalage entre deux nuages. Alors, on n'a pas d'approche plus complexe avec plusieurs points de vue, une espèce d'optimisation de l'erreur. Mais par contre, on a beaucoup d'options pour recaler deux nuages ou deux entités 3D. Et on a aussi beaucoup d'options pour calculer, puisque c'est le compare de Cloud Compare, pour calculer des distances entre les entités. Bien sûr, des outils pour nettoyer les nuages, puisqu'ils sont souvent bruités. L'outil de rasterisation, ça se dit, projection d'un nuage 3D dans une grille 2D régulière. Alors, il s'est pas mal développé récemment, il y a encore des statistiques que vous pouvez calculer propres à cette opération. Vous pouvez calculer des contour plots, des lignes de niveau, extraire ça vers du géotiff pour n'importe quel SIG, un outil d'estimation de volume, des outils de segmentation, soit manuel, soit automatique. J'essaye d'aller assez vite. Vous pouvez fitter de plus en plus de formes géométriques type plan, sphère, quadrique, cercle, maintenant, ce genre de choses. Et là encore, voilà, ça dépend des utilisateurs, des contributeurs. On est assez accueillant pour les nouvelles fonctionnalités. Là, il y a un outil récemment qui maintenant vous permet de calculer beaucoup de propriétés géométriques différentes à partir d'un nuage de points. Et donc là, typiquement, c'est très bien pour du prototypage, on va dire, de traitement. Vous allez créer un paquet de champs scalaires pour essayer d'améliorer des segmentations ou des classifications, on verra plus tard. Et du coup, je vais vous présenter un espèce de florilège de fonctions qui sont particulièrement adaptées au traitement des données LIDAR. On a pas mal d'outils sous le capot. La grande force de Cloud Compare, c'est sa structure Octree, qui est vraiment faite qui est très rapide à calculer, à construire, et qui permet de l'extraction très rapide des plus proches voisins. C'est vraiment
la force de Cloud Compare, mais ce n'est pas du tout utilisé pour l'affichage. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas si bon que ça en affichage. Mais voilà, pour le calcul, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. On gère le concept de capteur, position du capteur. Ça, on l'a vu, ça peut aider. On gère aussi le full waveform sur les données LIDAR qui l'ont. Alors, on le gère en termes de données. On peut les lire, on peut faire des opérations très basiques actuellement. Et c'est surtout pour que des gens développent des plugins autour de cette donnée waveform. Il y a un plugin notamment qui a été développé, mais qui n'est pas encore public. J'espère qu'un jour, il le deviendra. Et voilà, on a surtout énormément de plugins, une ligne de commande. Et aussi, j'ai oublié de le mettre sur la slide, donc ce wrapper Python qui s'appelle CloudCompy ou CloudCompy, qui est développé par Paul Rask, qui vous permet vraiment de réutiliser quasiment tous les outils de CloudCompare via des scripts Python classiques. Dans les plugins les plus intéressants pour des données LIDAR, alors, il y a M3C2 qui est l'outil ultime de calcul de distance entre des nuages de points, avec une approche statistique très robuste. Donc, c'est un peu velu, il faut rentrer dedans, mais franchement, c'est très très puissant. En gros, si vous pensez calcul robuste de distance entre deux nuages, particulièrement entre deux époques, c'est vraiment très très puissant. Pensez M3C2. Ça a été développé par un laboratoire de Rennes. Le laboratoire de Dimitri Lag, à Rennes. Canupo, qui a été développé par la même équipe. Donc ça, c'est de la classification à superviser et surtout très facile à entraîner. Alors, c'est très orienté scène naturelle, mais vous pouvez en gros segmenter des nuages à la main. Vous dites, là, c'est ma classe qui représente des végétaux et mon autre nuage, c'est tout le reste. Et vous allez entraîner le classificateur à partir de ces exemples. Et après, ça vous crée un petit fichier classificateur que vous pouvez réappliquer à d'autres nuages. Là encore, il y a de la théorie derrière. Vous pouvez aller vous intéresser à l'article. C'est quand même assez, assez accessible pour ce genre d'outils. Ça permet très rapidement de classifier. C'est une classification binaire. Qu'est-ce qui est végétation, qu'est-ce qui n'est pas. Ce n'est pas forcément adapté au bâtiment vu l'approche qu'ils ont. Ça marche très, très bien sur tout ce qui est... végétation notamment. Et donc, très récemment, il y a peut-être moins d'un mois, ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle 3D Mask, enfin une nouvelle version, un nouvel algorithme, un nouveau plugin qui va beaucoup plus loin. Alors, il est encore plus velu, mais vraiment, il vous permet de tout faire, en fait, de prendre plusieurs nuages, donc plusieurs versions du même endroit, avec autant de champs scalaires que vous voulez, de couleurs. Vous définissez vous-même le mix en fait, que vous mettez pour entraîner le classificateur. Et ça permet, eux, ils l'utilisent énormément sur des données. Ils ont un LIDAR bathymétrique et un autre plus classique. Et du coup, ils font des doubles campagnes. Ils l'utilisent beaucoup pour avoir vraiment une classification qui va très loin. Alors, encore une fois, c'est un labo qui s'intéresse beaucoup aux scènes naturelles, à la géomorphologie, ce genre de choses. Mais avec ce classificateur, enfin, ce plugin-là, cette approche, et surtout le fait que vous pouvez vous-même définir à peu près ce que vous voulez en termes de métriques, il y a vraiment un gros potentiel. Autre plugin intéressant pour le LIDAR, en tout cas qui est très utilisé, c'est le plugin CSF qui a été développé par une équipe chinoise il y a déjà quelques années, qui permet d'extraire le MNS, non MNT pardon, automatiquement avec une approche finalement assez simple. Ça donne quand même des résultats vu le coût, c'est quand même quelque chose de très rapide avec peu de paramètres. Ça donne des résultats assez intéressants. Et le petit dernier qui a rejoint Cloud Compare très récemment, c'est Cloud Layers, qui permet de gérer justement, avant tout penser pour le champ classification d'un fichier LAS, où vous allez pouvoir très facilement visualiser les classes, leurs valeurs, leur assigner un nom, si vous voulez, et aussi
soit directement labelliser à la main les points avec certaines valeurs de classe, ou alors même convertir. Vous allez par exemple dire, je n'ai pas le temps de détailler, mais si vous avez la classe de valeur 4, mais vous voyez que par endroit, ça devrait être la classe 5, vous allez juste dire au plugin, je veux que 4 devienne 5, et vous allez manuellement, à certains endroits, vous avez alors ça ne se voit pas bien, mais un petit cercle rouge où vous pouvez gérer son rayon, et vous allez, c'est vraiment pour éditer à la main un champ scalaire de classification. Ça a été typiquement une chose étonnante, ça a été développé par une toute petite entreprise américaine du fin fond des États-Unis, des surveilleurs américains, et qui ont demandé à une équipe ukrainienne de développer ça, et l'équipe ukrainienne de la terminer alors que la guerre avait déjà commencé. J'étais assez impressionné. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a vraiment énormément de plugins maintenant pour faire toutes sortes de choses. Vraiment toutes sortes de choses. Il y a des plugins qui vous permettent de faire des animations, par exemple, qui peuvent être intéressantes de manière très facile, des choses comme ça. Et voilà. Nous, on vous invite à développer votre propre plugin. C'est quand même... faut être développeur C++ ou connaître un développeur C++. Mais une fois que vous avez la base, c'est quand même très facile. Il y a beaucoup d'exemples, vu qu'il y a beaucoup de plugins existants. Je vous aiderai si vous vous lancez dans cette aventure. Et c'est vraiment comme ça aujourd'hui que Cloud Compare se développe. Vu que je fais ça sur mon temps libre, je ne développe plus vraiment de nouvelles fonctions, je n'ai plus le temps. Mais voilà, il y a heureusement pas mal de gens qui développent ce genre de choses, des nouveaux plugins. La version 2.13 va être réalisée très bientôt, moins d'un mois, j'espère. Dans ma to-do list personnellement, je ne dis pas ça juste parce que c'est la journée de Big Data, mais vraiment, ça fait peut-être 5 ans qu'on pense à avoir ce support out of core. C'est juste un gros challenge parce que ça remet en cause justement le fonctionnement de notre octree, qui est un peu la pierre angulaire de Cloud Compare. Mais vraiment, on y pense très fort, j'y pense très fort. Et c'est un gros chantier, donc c'est pas facile, surtout vu l'approche qu'on a. Et on a une liste énorme de features, de nouveaux outils imaginés par tous nos utilisateurs. Vous pouvez toujours nous envoyer vos requêtes, bien sûr, ça finira là-dedans. Et si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aussi aller voir ce qu'il y a là-dedans et dire, tiens, si je vais rajouter une feature. Et voilà. Cette présentation, qui convient des trois clubs complémentaires sur le PC, qui utilise activement la Steam. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions dans la salle. Mathias, en fait. Merci pour la présentation. Je sais beaucoup plus que ce que j'ai pu voir sur le site, etc. Donc, c'est pas mal d'avoir un résumé. Les plugins concernant la classification, on en a parlé plusieurs, donc des classifications supervisées. Techniquement, qu'est-ce que ça demande de la. Donc, en imaginant quelqu'un veut produire un nouveau modèle, qu'est-ce que ça demande en entrée? Est-ce que ça demande un volume de données démentiel? Est-ce qu'il faut déjà avoir des teraoctets de. Alors, pas du tout. Déjà parce que Cloud Compare ne sera pas capable de les charger. Et c'est vraiment, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Cloud Compare, c'est fait pour être utilisé sur un PC, hein, encore, on est loin d'une approche globale. Donc, ça reste des nuages à dimension humaine, mais enfin, laptop. Et vraiment, Canupo, il a ses limites, il est vraiment fait pour la végétation, par exemple, mais il n'y a pas besoin, quelques millions de points suffisent. C'est plus, c'est toujours pareil, c'est avoir suffisamment de représentation des différentes formes qui vous intéressent. 3D Mask, il est plus pour du lidar aéroporté, donc lui, oui, il va vouloir plus de données. Et je pense que leur force est plus dans cette capacité de définir des descripteurs qui vont prendre justement des champs scalaires variables comme l'intensité du laser. Et ça, vous pouvez prendre la couleur. Vous pouvez prendre est-ce que c'est le premier ou le deuxième écho. Enfin, n'importe quel champ scalaire en fait. Et vous pouvez
C'est une sorte de script, mais c'est très facile à écrire. Hein, où vous dites, je veux mélanger un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Il y a une espèce de grammaire, c'est tout, tout, tout est textuel. Donc, après, je ne suis pas le développeur. Hein, je vous invite à aller voir l'équipe de Dimitri Lac, notamment, pour tous ces super plugins. Mais franchement, ça rend très accessible la classification. Alors, c'est peut-être pas au niveau industriel que recherche l'IGN, par exemple. Même si, avec 3D Mask, à mon avis, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Merci pour la présentation. J'avais aussi la question qui était classification, donc tu as répondu. Donc, du coup, pour 3D Mask, il y a vraiment le choix de ce que tu as montré, d'avoir énormément de possibilités. En fait, c'est on donne la donnée qu'on veut, par exemple, on a des pylônes, et en fait, après, c'est on choisit en fait, ses classes. Ouais. Et moi, j'avais une dernière question, c'est le dernier plugin que tu as présenté, CloudLayer. Vous avez dit que c'était. Voilà, que ça permettait de corriger la classe. En fait, c'est vraiment manuellement où on peut se dire qu'on pourrait rentrer, par exemple, une entité vectorielle pour corriger. Par exemple, je prends l'exemple de la BDI. Ouais. Là, il est simple, c'est vraiment manuellement. Hein. C'est en manuel. Ouais. D'accord. Après, c'est open source. Vous voulez l'étendre. D'accord. Merci. On a une question à distance. Donc, super outil. Est-ce que tu sais si des gens l'utilisent dans le cadre de calcul batch distribué? Alors, on a pas mal de questions de gens qui veulent l'utiliser sur serveur. Ça ne marche pas à tous les coups parce que Cloud Compare, la première chose qu'il demande, c'est une carte graphique et sur les serveurs. Donc, visiblement, il y a des gens qui veulent le faire. Je sais qu'il y a des gens qui y arrivent des fois, mais je n'ai pas de vision. Je ne sais pas exactement comment ils sont. Je sais qu'il y a des agences de cartographie nationale non françaises qui s'en servent pour faire du contrôle, notamment. Donc oui, ils l'utilisent, je veux dire, en batch sur des gros volumes de données, mais je pense tuile par tuile, ce genre d'approche-là. Après, est-ce que c'est distribué ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais juste une toute dernière question sur les plugins. Ouais. Est-ce que tous ceux qui sont open source sont distribués avec le logiciel de base? Enfin, c'est une... une politique à ce niveau-là ou... Oui, bah en fait, c'est en général les gens qui développent des plugins open source nous les fournissent, ils les rendent accessibles, on les intègre au pot commun, ils sont intégrés dans la version officielle. Et d'ailleurs, j'y pense, donc là, j'ai parlé des plugins C++, mais maintenant vous allez pouvoir faire des plugins en Python. Ça va sortir dès que j'ai le temps de compiler ça. C'est l'université de Swansea en Angleterre qui a fait développer une espèce de plugin qui vous permettra d'exécuter des scripts Python et ils vont fournir toute leur collection de leur labo. Alors c'est très orienté forestry, donc là, ouais, gestion de données LIDAR acquis sur des forêts, mais ils vont déjà fournir pas mal de scripts et je pense que ça pourra inspirer des gens ou d'autres labos qui utilisent massivement Python. Merci beaucoup. Du coup, quand on utilise Cloud Compi, l'API Python, on a accès à tous les plugins de classif en ligne de commande. Ou pas. Je ne pense pas que vous ayez accès aux plugins. Vous avez accès au cœur de Cloud Compare, donc tous les algorithmes, Locktree, les capacités de chargement et de sauvegarde des données. Mais il faudrait demander à son auteur, mais je ne crois pas que ça englobe les plugins. Les plugins, certains sont accessibles en ligne de commande, par contre. Après, il faut discuter avec Paul, parce que Cloud Compi, c'est vraiment un projet à part. C'est Paul Rasch qui s'en occupe. Ça a sa propre vie. Ok, merci. Dans le net, je ne sais pas qu'il y ait une question. Pas de question ici. Bon, ben, merci encore. On va enchaîner avec la présentation.